allons maintenant analyser notre texte sous l'angle du prisme de révision dans la section lexique. Il est intéressant ici, encore une fois, de voir, par exemple, je vous invite à cocher les verbes ternes. Donc, un verbe terne, c'est un verbe qui peut être utilisé à toutes les sauces, entre autres le verbe être, le verbe avoir, le verbe faire. Donc, encore là, Antidote ne propose pas de correction ou quoi que ce soit. Il ne fait que souligner que le verbe faire est utilisé plusieurs fois et que selon lui, c'est peut-être un peu terne. Donc, par exemple, je prends le verbe faire. Ici, il a décidé de faire l'expérience du marché du travail. Bon, il trouve que c'est un peu terne. Est-il possible de modifier ça? Peut-être qu'on pourrait mettre, il a décidé d'expérimenter. D'expérimenter le marché du travail. Alors, vous voyez qu'expérimenter, lui, n'est pas considéré comme un verbe terne, il est disparu de la liste. Donc, ça peut être intéressant. En cas de doute, il peut aussi, par exemple, cliquer sur notes si on n'a pas d'idée, de faire dictionnaire et d'aller voir soit les définitions, soit les locutions, soit des synonymes pour changer ce verbe terne par un verbe qui pourrait être beaucoup plus intéressant. Ensuite, on peut aussi, dans le prisme lexique, aller dans les régionalistes. Donc, dépendant du niveau de langue qu'on veut avoir, et certains mots ici sont des régionalistes. On peut voir qu'il y en a 8 et qu'ils sont tous des régionalistes du Québec. Donc, le raccrocheur, décrocheur, par exemple, préalable, décrocheur, sont des régionalistes québécois. Donc, en cliquant dessus, je peux encore là aller dans le dictionnaire des définitions. Donc, voir, ici, on me dit décrocher. Donc, au Québec, c'est un élève qui abandonne et peut-être qu'il serait intéressant d'aller voir, en France, on dit un drop-out ou un élève qui abandonne l'école. Donc, par quoi est-il possible peut-être de remplacer certains régionalistes par des mots de langue un peu plus soutenu? Donc, voilà, ça comporte les choses et les verbes ternes et les régionalistes sont des niveaux intéressants à voir, à analyser notre texte. Donc, on poursuivra plus longuement avec un autre prisme.